Avec Patrick Guyard qui entraîne Sweet Ever au départ du quintet de samedi sur les pommes de Vincennes. Sweet Ever qui reste sur une tentative correcte sur les pommes de Chartres. Oui, tout à fait, oui. Il court très bien en retrait avec, à 25 mètres. Quoi. Cette fois-ci, ça sera les 2100 mètres de la grande piste. Un retour, ça fait un petit moment qu'on ne l'y a pas vu. Bah oui, bah sur les conditions de course, il n'avait pas trop pour lui. Quoi. Mais là, comme c'est sa dernière cartouche, quoi, on va dire. 2100 face aux étrangers, bon, c'est pour se faire plaisir plutôt, bon. Avant la retraite. Au niveau de sa forme, vous le sentez toujours aussi vaillant? Il n'a jamais été si bien. Il est super, c'est dommage qu'on ne peut pas continuer après. Quoi. Mais bon, là, on est obligé d'affronter des lots avec les étrangers. 2100, c'est pas là qu'il va être le meilleur. Quoi. Vous auriez préféré un parcours de tenue pour lui? Ah, tout à fait, oui. C'est un cheval qui démarre plutôt lentement et qui a tendance à jamais lâcher le morceau pour finir. Quoi. Bon, vous dites que c'est a priori sa dernière course, mais vous avez l'occasion éventuellement de continuer l'an prochain à l'étranger. Ah bah, l'année prochaine, oui, il part à l'étranger. Mais... Est-ce qu'il peut sortir sur une belle tentative pour les parieurs? Est-ce qu'ils peuvent l'inclure dans une combinaison de 5 chevaux? Bah, 5e, ce serait parfait, mais il y a quand même 2-3 étrangers là qui sont quand même au-dessus. Quoi. En tout cas, et Sweet Ever, il va donner le meilleur de lui-même à nouveau. De toute façon, il va mettre son cœur sur la piste, il le met tout le temps. Mais après, il faut qu'il ait le bon parcours, un bon déroulement. Si ça roule assez, il s'est ramené dans un bon wagon, il peut choper une 5e place. Pourquoi pas? L'année dernière, il l'avait chopé. Il avait été 5e dans des bons lots, en marchant 13,5. Mais bon, ça c'était avant. C'était avant, mais malgré tout, hein, vu ce qu'il a montré. À l'âge de 10 ans, et il n'est pas encore tout à fait cuit entre nous. Ah non, non, il n'est pas cuit. Il vient de remarcher 16 encore à Chartres dimanche dernier. L'autre coup, à Graigne, pareil. Mauvais parcours dans des wagons qu'avant, on ne sait pas, où il finit sa course. Et là, il est 7-8. Pour le parcours idéal, quoi.